qui c'est qui parle de tout ce que tu veux pas savoir? Pérus Express. Et un petit tour à la météo, Jocelyne. Ben, c'est parti raide ce matin. Ok, ton bulletin est commandité, quoi? Non, pourquoi? Ben, la marque de ton manteau est écrite plus grosse que ta face. Ah, non, c'est mon manteau d'hiver. Et vous aimez ça, les marques, vous autres, les femmes, hein? Non, je suis pas une fille à marque, moi. Ah, non, hein? Ben, non. Fait que je peux aller mettre un sticker du logo de la CAQ par-dessus le mot Prada sur ton sac. Bon, en tout cas, aujourd'hui. Je vais me remercier à grand coup de French. Mais là, c'est juste ça donne demain. Ben, oui. D'habitude, je me promène avec un sac écolo. Ah, mais là, je t'ai mal jugé. Ben, regarde. J'ai toujours cru que tu pensais que Sac Écolo était un duo humoristique. Alors aujourd'hui. Tu entres en vedette une paire de gosses et un alcoolique. En tout cas, c'est le jour de la réglisse. Quoi, il y a une journée internationale de ça, la réglisse? Non, c'est qu'aujourd'hui, en conduisant, t'arrives à un stop, tu veux faire l'arrêt, mais ça glisse. Ouais, les pneus d'hiver sont obligatoires juste le 15 décembre. On commence pas. Alors, ce matin, tu pouvais faire trois têtes à queue à l'intersection de la 116 avec une boîte aux lettres dans le windshield, puis se retrouver dans le milieu d'une traque de chemin de fer après avoir arraché à bord du passage à niveau. Bon, je peux te faire mon. Le policier qui passait par là t'envoyait la main avec un gros sourire. Bon. Parce que, je le répète, alors pour le... il n'est pas encore obligatoire okay. d'avoir ce pneu d'hiver. Il faut regarder le positif. Oui. Ça nous met dans un bel esprit, cette neige-là, non? Ouais. Moi, une première neige le matin, ça me fait toujours penser à, okay. à de la musique de Noël. Okay. C'est féerique, je trouve. Toi, tu vois 17 chars dans le clos, puis t'entends sainte nuit. Parce qu'en même temps, ça sent bien. Moi, j'ai fait mon arbre de Noël. Hein? Ben oui. Ben là, écoute, on va te laisser. Si tu vas avoir le temps d'entailler tes érables, aller cacher tes cocos de porc. Ben, c'est mine de rien, c'est dans t'acheter ton chlore à piscine l'été prochain. En tout cas, c'est recommencé la saison du déneigement à Montréal. Ben oui. Tu sais que ça coûte des millions à chaque fois. Non! Ben oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de me dire que les 1349 chauffeurs de véhicules lourds ramassaient pas ça juste pour se faire un bonhomme donné? Mon réalisateur me dit ben que... là, tu me donnes une claque lourde. Bon, ça a l'air qu'on va manquer de temps. Plus désillusionné que ça, t'es un chanteur de ton choix qui reçoit son chèque de redevance de Spotify. Bon, le réalisateur dit qu'on a plus de temps, faut aller aux nouvelles. Ouais, ben, faut qu'on parle du gars qui a fraudé le hockey mineur pour 500 000 $. Il a fraudé le hockey mineur pour 500 000 $. Comment tu fais pour frauder le hockey mineur pour 500 000 $? Ben, là, à part défoncer des machines à Gatorade dans les arénas pendant 40 ans. Je l'ignore. Thank you.